Fabrice Duels, bonsoir. Salut. Ben voilà, on se retrouve. Hein, donc c'est un très beau prix, double prix ce soir, prix d'interprétation de masculine et féminine. Il y en a qu'un, c'est l'interprétation, mais là il est double pour vos acteurs, Thomas et Fantine. Ils sont indissociables, donc c'est super. C'est, je suis ravi. Pour eux, je suis comme un gamin. Je suis ravi. C'est le plus beau prix qu'on pouvait avoir, je pense vraiment. Et c'est la première fois que vous le disiez, hein, que vous tournez avec des ados, je pense, en rôle principaux en tout cas. Rôle principaux. Alors, est-ce qu'il y a une approche particulière quand on travaille avec deux ados ou est-ce que finalement c'est déjà des grands acteurs ? Non, ce sont déjà des grands acteurs. La particularité des enfants ou des préadolescents, parce qu'ils étaient préadolescents à l'époque, c'est que c'est l'abandon, quoi. Ils s'offrent, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas encore d'ego, il n'y a pas l'ego que certains acteurs adultes peuvent avoir. Donc il y a un abandon complet, total et très très généreux. Et j'ai pu vraiment travailler avec eux de la manière la plus précise et la plus exigeante possible. Et comment vous avez travaillé avec chacun d'entre eux ? J'imagine que chacun a ses qualités, ses capacités, ses techniques. Bah, Fantine est déjà plus aguerrie, elle a plus d'expérience. Elle sait articuler déjà son art, on va dire. Après, il faut la bousculer, l'amener autre part et faire en sorte qu'elle s'abandonne complètement. Thomas, c'est une nature, il est profondément sincère, il est juste là, quoi. Il est là, il est perméable, il est poreux, il écoute. C'est l'acteur qui a la capacité d'écoute la plus extraordinaire avec lequel j'ai pu travailler. Donc ouais, c'est assez, ils sont très différents et en même temps, cette différence fait qu'ils sont exceptionnels ensemble. On a parlé de deux acteurs importants, intéressants, gagnants, récompensés aujourd'hui pour votre cinéma, dans votre cinéma. Est-ce qu'il y a d'autres acteurs, alors jeunes aussi ou moins jeunes, avec lesquels vous rêvez de tourner, avec lesquels vous n'avez pas encore eu l'occasion de tourner ? Il y a eu de grands acteurs dans votre cinéma, il y a eu Poulvo récemment, il y a eu Laurent Lucas, il y en a plein, mais voilà. Des acteurs avec lesquels j'ai envie de travailler. Là, j'aimerais beaucoup travailler avec Jean Dujardin. Je rêve de travailler avec Jean Dujardin. On verra. Ok, bah écoutez, bonne chance à vous, bonne suite et à bientôt. Salut.